Commencer, non? Oui, ça a commencé. Très bien. Donc voilà cette fameuse gym tonifiante. Donc je vais d'abord faire les mouvements assez rapidement parce que sinon je perds le fil, puis après je les ralentirai. Donc la première, c'est celle-ci. Est-ce que là vous me voyez bien? Ouais, ça peut aller. Regardez bien les mains aussi. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on a l'impression de faire des mouvements, juste des mouvements de bras, de torse, d'épaule, mais que petit à petit, on sent une énergie, une puissance, une force. Faites bien les mains comme elles sont, hein, parce que c'est en plus... Normalement, c'est de la défense aussi. Je le fais encore une fois. Et bien sûr, on lève la respiration comme on le veut. D'être bien droit. Voilà, ça c'est le premier mouvement, très simple. Le deuxième, c'est ceci. J'ai descendu les mains d'une certaine façon, hein, vous avez vu. Je les remonte le plus haut possible là, pour faire respirer les poumons dans les plus hautes parties. Je redescends les poings cernés. Et là, normalement, on touche très facilement le sol. Je recommence. Plus vite pour être sûr de ne pas oublier quelque chose. Troisième mouvement. Là, normalement, ça s'appelle le blocage du sabre. J'ai jamais compris comment on se coupe pas la main dans ces cas-là. Là déjà, je sens une puissance et une possibilité de le faire beaucoup plus violemment. Donc les mains ici. Vous avez vu que j'ai les jambes fléchies, hein? Normalement, on amène le pubis en avant. On doit sentir une force dans les pieds qui... Ceux qui sont les plus puissants, ils sont capables de faire craquer les planchers rien qu'en étant dans cette position. En même temps, c'est bien, je fais ma gym du matin. Allez, je recommence toutes les figures. La première.
rendez pas compte, mais quand on est comme ça, c'est une défense. C'est-à-dire que si quelqu'un vous attrape au poignet, rien qu'en faisant ça, il est obligé de lâcher. Le second. Toujours bien regarder les mains. Là, je descends les mains, regardez comment elles descendent. Je remonte. Là, je ferme les poings. Et je redescends, je touche le sol. Et la dernière figure. Vous pouvez le faire aussi en faisant une rotation derrière en même temps. Hein? Une fois comme ça. Ben là, je vous rappelle plus. Alors, je recommence. Je recommence pour être sûr de ne pas me tromper.